Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma recette de pancakes extra moelleux. Donc pour cela on aura besoin de 30 g de farine, 30 g de sucre, 15 ml de lait, 2 œufs, le quart d'une cuillère à café de levure chimique et de la moitié d'une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. On va commencer par séparer les blancs des jaunes. On s'occupera des blancs plus tard. Donc, on mélange les jaunes d'œufs avec le lait et l'extrait de vanille. On y ajoute ensuite la farine ainsi que la levure chimique. Quand le mélange est bien homogène, on va pouvoir aller monter les blancs en neige. Pour cela, j'utilise le Speedy Chef de chez Tupperware, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Quand les blancs commencent à mousser, j'y ajoute la moitié du sucre et je continue à les battre. Avant qu'il soit complètement monté, j'y ajoute le reste du sucre. Les blancs sont prêts quand la meringue obtenue forme un bec quand vous relevez votre fouet ou votre batteur électrique. L'étape suivante va être d'incorporer un tiers des blancs en neige à mon mélange. Pour cela, j'utilise un fouet. Après, je me sers d'une spatule en silicone pour ajouter tout le reste des blancs. Il faut y aller délicatement pour ne pas les casser. Le résultat final doit être mousseux. Huilez toute la surface d'une poêle bien chaude. Quand c'est fait, versez la pâte à l'aide d'une louche en formant des petits tas que l'on superpose les uns sur les autres. C'est ça qui va donner l'aspect fluffy aux pancakes. Une fois mes deux pancakes formés, je disperse une cuillère à soupe d'eau tout autour et je couvre. Les pancakes doivent cuire environ 4 à 5 minutes de chaque côté sur un feu doux à moyen. Le temps peut varier bien sûr. Quand vous voyez que le dessous a bien cuit et que vous pouvez y glisser une spatule, alors retournez-le. Les pancakes seront prêts quand vous pourrez les toucher sur les côtés sans avoir de la pâte sur le bout du doigt. Voici le résultat, mes pancakes sont bien dorés et sont extrêmement moelleux. J'y ajoute un peu de sucre glace et place à la dégustation.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Si jamais vous refaites cette recette, n'oubliez pas de me taguer dessus sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.